L'innovation sociale, c'est toujours une nouvelle problématique de société, celle à laquelle nous sommes confrontés, beaucoup de familles, le handicap c'est beaucoup les familles qui sont là parce qu'on n'a plus le choix, c'est en fait grâce au progrès de la médecine d'urgence. Depuis l'implantation des SAMU dans les années 80, on sauve 40 000 personnes chaque année et ces personnes se réveillent après 6-8 mois de coma et de fortes lésions cérébrales acquises, du handicap physique, plus psychique, plus cognitif. Ce sont des gens qui se rappellent de leur vie d'avant, qui se rappellent qu'ils étaient monsieur et madame tout le monde, qu'ils avaient 18 ans, qu'ils avaient 45 ans. Pourquoi est-ce qu'on me garde en vie? Et le cheminement, qui est un cheminement du temps lent, celui du monde du handicap, nous a amené à découvrir ensemble que la vie pouvait reprendre sens dans une valeur fondamentale qui est la valeur de la fraternité. Et lorsque l'on n'est plus capable de répondre aux critères d'exigence, de performance, de rentabilité, de savoir, d'avoir, alors on retrouve l'être qui se construit dans la relation à l'autre. Et cette relation, elle se construit par des groupes d'amitié dans lesquels il y a des personnes handicapées, mais il y a aussi des personnes valides, parce que dans nos grandes villes, une personne sur deux vit seule. Et lorsque la personne fragile dit à l'autre « j'ai besoin de toi », tombe alors le mur de la peur, le mur du « je ne suis pas capable », le mur de l'autre différent, l'autre fragile me fait peur. Et cette capacité de la personne fragile, de la personne différente à dire « viens, j'ai besoin de toi », eh bien c'est pour nous un grand projet de société. Et on pense que notre société peut se construire, retrouver ce goût de la fraternité, ce goût de l'autre, par la place qu'on va donner aux plus fragiles.